Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin au nom de Madame Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales, qui s'excuse de ne pouvoir être présente. Elle était retenue sur le site parisien, mais elle m'a encore parlé hier de cette journée d'études qui entre en interférence avec beaucoup de thématiques que nous traitons ici aux Archives nationales. Donc, un an et demi après, une autre journée d'études consacrée à Henri-Alexandre Vallon, dit le père de la Troisième République, nous sommes réunis aujourd'hui pour cette journée consacrée à son petit-fils, aussi Henri Vallon. René Zazot a dit de lui qu'il était par excellence le psychologue de l'enfance, mais pas seulement. C'était un grand intellectuel français, engagé, à la fois philosophe, psychologue, neuropsychiatre, pédagogue et homme politique. J'en passe peut-être, mais il en sera sans doute question aujourd'hui. Ses travaux de recherche donc, entrent en résonance avec nombre de thématiques de fond qui sont conservées et valorisées ici. Et il trouve encore aujourd'hui, plus de 50 ans après sa mort, un écho dans les préoccupations de nos contemporains. Alors, je note que Henri Vallon est né sous la Troisième République en 1800. Henri-Alexandre Vallon, le grand-père, est né sous la Troisième République. Non, pardon. Henri Vallon est né sous la Troisième République en 1879. Il est mort en 1962 sous la Cinquième République. Et on peut donc dire que le grand-père et le petit-fils partagent au moins un point commun, c'est celui de la longévité. De ce long et riche parcours dans le siècle, je vais rappeler en introduction quelques jalons. Parcours classique, pour commencer, dans sa jeunesse. Normalien, agrégé de philosophie en 1902. Il entreprend des études de médecine couronnées par un doctorat en 1908, avec une orientation vers la psychiatrie. Sa thèse de médecine est consacrée au délire de persécution. Dans les années d'avant-guerre, donc avant la Première Guerre mondiale, il complète sa formation par une orientation vers la psychologie et plus particulièrement la psychologie de l'enfant. Ses thèses qui lisent théorie et pathologie sont consacrées au stade des troubles du développement psychomoteur et mental chez l'enfant et à l'enfant turbulent. Pendant la guerre, il est mobilisé comme médecin militaire, ce qui lui permet de traiter les affections nerveuses des soldats et il continuera ce suivi après la guerre, ce dont en témoigne les fiches de malades et les dossiers qui sont conservés donc, dans le fonds d'archives. L'entre-deux-guerres est la période des engagements. En 1919, il obtient d'abord une charge de conférence de psychologie de l'enfant à Sorbonne et un enseignement dans le cadre du nouvel institut de psychologie de la faculté des lettres en 1921. Mais il doit attendre 53 ans en 1932 pour obtenir un poste de chargé de cours à la faculté des lettres et c'est en 1937 qu'il obtient une chaire au Collège de France de psychologie et éducation de l'enfance. Parallèlement, dans l'entre-deux-guerres, il crée en 1922 à Boulogne-Billancourt un laboratoire de psychobiologie qui sera rattaché en 1927 à la troisième section de l'école pratique des hautes études qu'Henri Pierron, son ami, préside. C'est l'époque où il passe de la description et du traitement des pathologies, notamment enfantines, à une approche plus globale de la société, qui doit permettre de libérer les individus d'un certain nombre de contraintes sociales et permettre leur épanouissement. La mise en pratique de cet engagement, c'est un enseignement à l'Institut national du travail et d'orientation professionnelle, la création avec Henri Pierron et Paul Langevin en 1927 du groupe français d'éducation nouvelle qui cherche à élaborer une nouvelle pédagogie. C'est aussi un engagement politique dans les années 30, avec l'adhésion au comité exécutif de l'International des travailleurs de l'enseignement et au comité de vigilance des intellectuels fascistes. Antifascistes ! Oh oui, merci Bernard. Oups. Je continue. Et Henri Vallon adhérera au Parti communiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Il en sera sans doute question tout à l'heure pendant la table ronde. Pendant la guerre, il entre en résistance sous le pseudo d'Hubert. À la libération, il cumule de nombreuses fonctions. Brièvement secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, du 19 août au 10 septembre 1944, il occupe en novembre 1944 la vice-présidence de la fameuse commission de réforme de l'enseignement, dite commission Langevin-Vallon, qu'il présidera après le décès de son ami Langevin en 1946.
Il accède aussi à des fonctions politiques comme membre au titre de son mouvement de résistance, de l'Assemblée consultative provisoire, puis comme élu de la Seine sur une liste communiste. Il prend sa retraite du Collège de France en 1949 et il cumule dans les années 50 présidences et directions, certaines liées à sa spécialité, d'autres à ses sympathies politiques. J'en cite quelques-unes, notamment président du groupe français d'éducation nouvelle, de la société médico-psychologique, des journées internationales de psychologie de l'enfant qui ont lieu en 1954 et surtout il fonde en 1948 la revue Enfance qui existe encore aujourd'hui. La manifestation d'aujourd'hui, c'est une forme d'hommage à ce grand homme que fut Henri Wallon. C'est aussi l'occasion de se faire se rencontrer, autrement que par les boîtes mail, des chercheurs qui donneront un éclairage de leurs travaux sur Henri Wallon, ou de les mettre en relation avec les divers engagements qu'Henri Wallon a portés. C'est aussi l'occasion de faire se dialoguer et se rencontrer les professionnels de l'archivage et de la conservation qui nous donneront leur éclairage sur les sources et les pistes de recherche. Ce sera l'occasion de la table ronde de ce matin. Alors, dans cette journée Henri Wallon, je voudrais, au nom de Madame Françoise Banat-Berger, saluer tout particulièrement Madame Thérèse Charmasson pour son implication dans le sauvetage, le classement, la conservation, l'inventaire et la valorisation non seulement du fonds d'archives Henri Wallon, mais de plusieurs autres chercheurs en relation, Henri Pierron, René Zazot notamment. Tous nos remerciements vont aussi à Bernard Wallon, le grand organisateur de cette journée, à l'association Henri Wallon, dont de nombreux membres sont présents aujourd'hui et qui est représenté donc par Didier Wallon. Et je tiens aussi tout particulièrement à remercier donc les collaborateurs aux Archives nationales, dont Vanessa Aspar, pour leur implication dans l'organisation de cette journée. Mesdames, Messieurs, donc au seuil de cette journée d'études, j'émets le souhait aujourd'hui de voir s'ouvrir de nouvelles pistes de recherche, des sources de travaux stimulants dont les Archives nationales sont porteuses depuis de nombreuses années. Et à tous, je souhaite la bienvenue pour une journée studieuse et riche, je l'espère, de vos propositions. Bonne journée à tous.